scénario de Fabien Fournier, c'est sa trame à lui, c'est lui qui a les idées principales. Alors, je mettrai un petit bémol à ce que tu viens de dire, sachant que moi je suis pas réellement acteur, donc il y a des mots que j'arrive pas à les dire quand je joue. Donc à la fin ça devient donc du coup on fait simplifier le truc et ça fait collision, destruction, ouais c'est bon, allez bon. Voilà, mais c'est vrai que au niveau de la trame principale, il a son idée. Au niveau des dialogues, c'est vrai qu'on peut toujours soit rajouter un petit jeu de mots, soit arranger la phrase pour qu'elle soit plus facile à dire pour nous, parce que bah, lui, c'est ce qu'il a dans la tête. Nous, on a du mal à faire des phrases normales. Mais je suis sûre qu'on a des tonnes de choses à ajouter sur les conneries qu'il peut ajouter en plein tournage. Une fois qu'il est calme, laisse-le. Non, mais faut le vivre en tournage. Hein, c'est... Voilà. Oui, non, oui, bois et tais-toi. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où on fait des tests. On dit voilà, ça pourrait être plus sympa, on pourrait le dire comme ça, le tourner autrement. Et souvent, Fabien, il fait ouais, vas-y, je la garderai pas, mais vas-y. C'est juste histoire de se débarrasser du truc. Question suivante. Il y en a deux là, tac. Ah oui, il y en a une là-bas. Alors, garde-la sous le coude, on vient à toi. Vous êtes au-delà du 6e rond, vous... C'est ça. C'est hurler, fusée verte, un truc comme ça. Mais... Alors, bonjour, ce serait pour savoir où en est le projet de jeu vidéo avec Sparadra en personnage principal. Alors ça, il fallait venir à Monaco, monsieur. Voilà, alors c'est très très simple, ils ont présenté une démo technique sur lequel apparemment qui est à peu près jouable. Après c'est ultra bugué parce que c'est encore en mode de développement, hein, on passe à travers la neige, tout ça. Mais vous avez pu, pour ceux qui ont peut-être vu, je sais pas s'il y a eu des screeners de fait là-dessus, il y a des gens qui ont pu filmer, et bon, on va pas encourager la piraterie, mais bon là pour le coup c'était de bonne guerre. Donc y a une vidéo qui circule avec effectivement l'avatar de Sparadra en vue FPS dans un univers neigeux, dirons-nous, qui arrive à vaincre des géants, pour vous dire que c'est de la science-fiction quelque part. Voilà, ça. Mais alors là, ils ont fait, très, très honnêtement, je vais un petit peu reprendre les termes de Mézardiel qui bosse dans le jeu vidéo, ils ont fini la partie fun, c'est-à-dire qu'ils ont fait le character design, ils ont fait un petit peu le leveling, le décor. Maintenant, ça va être la partie chiante, va falloir coder. Et il va falloir coder à bloc, et comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, c'est une équipe de volontaires, donc ils débloquent du temps de temps en temps quand ils peuvent, parce qu'ils bossent dans le jeu vidéo la plupart. Ils font ça en plus de leur emploi du temps. Donc là, ils attaquent vraiment le gros de l'iceberg, ça va leur prendre un peu de temps, mais ils espèrent pouvoir le sortir avant la fin de l'année. On vous tient au courant de toute façon, vous savez que les délais là-dessus, vous connaissez Blizzard, hein, voilà, bah, nous on n'en est pas là. Et déjà eux, ils ont 10 ans de retard, donc je pense qu'on vous tiendra au courant, mais pour l'instant j'ai pas de date ferme à vous donner sur ce jeu. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous arrive parfois de vous lasser de vos personnages. Non. Question. Non, pas du tout. Moi, je me lasse pas de hurler, je pense. On se lasse pas de nos personnages, mais on est content d'en découvrir de nouveaux avec les nouvelles licences. Mais on se lasse pas de nos personnages. Définissez le mot personnage, s'il vous plaît. Définissez la scène. Non, on se lasse pas de nos personnages, on les fait évoluer, on essaie de mettre un peu de nous dedans, sinon ça serait pas drôle. De nous dedans, oui. Pas de nous dedans. C'est bien dedans, là. Oui. Voilà. Restons sérieux. Non, mais en fait, on varie un petit peu. Je sais pas si vous
vous suivez un peu ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, si vous avez vu des trucs comme Lost Level. Vous êtes content qu'on ait pu en les sketch à un moment quand même. Vous êtes content que ça soit Fabien qui écrit le scénario. Non, pour ceux qui ont vu Lost Level et tout comme ça, il y a eu des essais de personnages un peu faits dans Lost Level qui ont un peu maturé pendant cette série-là, et on les a fait évoluer. On est en train de perdre Pyrones, mais d'une force incroyable. Voilà, alors est-ce qu'on peut ramener une brancard pour Pyrones? Voilà. Donc j'espère que ça répondra à tes questions. Si c'est pas le cas, désolé. Question suivante, s'il vous plaît. Il y avait une question là-bas, là. Qu'est-ce qui t'a fait rire, en fait ? La connerie ! Voilà, je vous rappelle qu'ils sont taxés, en fait. Hein. C'est ça tous les jours pour eux. Alors, question un peu plus pour Tenshirok. Est-ce que l'histoire de Tenshirok a enfin été écrite ? Oui, enfin. 4 ans après. Oui, il y a un background qui a été établi. Vous avez vu un peu dans l'épisode 1 qu'il y a déjà un gros indice qui a été mis sur le passé du personnage. Donc ça va être pas mal développé dans la saison 5, normalement. Je mets toujours la clause du normalement parce qu'on est obligé énormément de s'adapter en fonction des aléas de la vie sur les scénarios. Donc normalement, oui, c'est inclus dans la ligne rouge, vous aurez le passé, le pourquoi, le comment, pourquoi est-il aussi méchant, parce que tout ça. Voilà, normalement, vous l'aurez. Et je n'en dirai pas plus. J'en sais plus. Moi, je demanderai pour la saison 5, est-ce que les épisodes de la saison 5 ils vont sortir dans combien de temps et les autres? Et voilà la question piège. Alors déjà, il y a eu le premier épisode, Prologue, normalement, si tout se passe bien, ça va essayer de suivre le rythme des 15 jours dont on a parlé tout à l'heure. Il me semble que ça a été établi jusqu'à décembre 2013. C'est ça, voilà. Après, il y a toujours cette trêve de l'été chez No Life, donc il faudra la prendre en compte. Mais il faut compter à peu près le nombre d'épisodes jusqu'à décembre 2013, mais ça a essayé de suivre un rythme régulier pour justement pas avoir d'énormes trous en plein milieu de la saison. Rien. En moyenne, tous les 15 jours à peu près, il y aura un épisode. Si jamais ça bloque, c'est parce qu'on a eu un impondérable. Je pense que la dernière fois, ils voulaient tourner en extérieur et ça n'a pas pu se faire. Donc plutôt que perdre la journée de tournage, on a tourné du Warzone. Ça peut arriver qu'on fasse ça pour éviter de perdre du temps, mais ça peut décaler la sortie d'un épisode, peut-être d'une semaine grand max. Mais dans tous les cas, on tient bon. Y a-t-il une autre question ? Là, j'en ai un là. Oui, bonjour, une petite question pour notre ami Meme. Est-ce qu'un jour nous aurons la chance d'entendre ta voix suave et sensuelle dans nous ? On entend ma voix tout le temps. Il faudrait réparer le micro pour ça. Je suis pas précieux, moi. On entend ma voix, j'ai pas un masque. Dans l'épisode 3, on voit ma voix. On voit ma voix. Est-ce que l'acteur qui joue précieux a une voix? Dans Warzone? Oui. Et justement, monsieur Xavier Pitié, enfermez-le. Non, l'interprète Xavier Pitié a une voix, il n'est pas muet, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il avait peut-être une appréhension face à la caméra, parce qu'il y a un petit souci d'élocution. Donc, il a en effet un très gros problème de micro, mais c'est vrai que dans Warzone, hein, si vous regardez la saison 1, il parle, il a une voix, et il espère continuer à parler. Oui, mais c'est marrant parce que tu vois, c'est la première fois que ça t'arrive, on te confond avec précieux. Moi, on me confond tout le temps avec le marchand. Non, pas avec qui marchand, non. S'il te plaît, la moitié des gens, ils savent pas de qui tu parles. Voilà, donc on me dit, ah, mais génial le marchand et tout. Et je dis, mais non. Parce qu'en plus, à chaque fois que je le dis au Ardacos, on me confond, il fait.
pleure, parce que j'ai 40 kilos de plus que lui, il est pas vraiment chaud parce qu'il se rase la tête, donc du coup il a une vraie barbe, pas moi, on arrive. Bon, par contre, tout à l'heure on m'a dit, hey, génial le concert hier soir. Ok. Ok. Il n'y a pas de souci, je dansais comme tout le monde. Bienvenue au club. Alors, l'acteur qui fait donc Précieux fait donc Bad Boost dans Warzone. Il fait le chevalier du Phénix dans Crossover, c'est ça. Et dans tous ces rôles-là, il parle. Donc, Google. Il n'y a plus de questions. On les a tous tués. C'est un portable qui s'allume. Fantastique, magnifique. Alors, bonjour. Je voulais savoir, en ce qui concernait les épisodes en MP3, est-ce qu'il y a d'autres projets pour la suite? Alors, ça fait partie des moments détente de Fabien, quand il a envie de péter un peu en plomb, il fait ces trucs-là. C'est pas prévu pour l'instant, parce qu'il y a d'autres choses sur le planning. Après, on n'est pas à l'abri d'un moment de craquage, un micro et un truc qui pop sur le net très très vite. Là-dessus, c'est vraiment, vraiment...